sont les enjeux? L'opposition, vous voyez comment elle est devenue, comment dirais-je, à fond. Générique, il y a des antennes tout remettre. Générique, il a déjà une antenne. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Perfect Actu. C'est un plaisir de vous savoir toujours très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission. C'est un honneur pour nous. Nous sommes mercredi 27 mars, l'actualité en République démocratique du Congo reste marquée par des tractations autour de la formation du prochain gouvernement. Selon les dernières informations, l'informateur Augustin Kabuya a bouclé son travail ou sa mission de formateur. Le dépôt de son rapport final sur la table du chef de l'État est annoncé dans les prochaines heures. La sortie du gouvernement ou la nomination du Premier ministre n'est qu'une question d'heure selon l'entourage du formateur Augustin Kabuya Mwanabute. On va aussi faire le point sur la gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée. Comment le chef de l'État doit-il se comporter? Quelle attitude le chef doit-il adopter pour gérer toutes ces ambitions? Nous en parlons dans cette émission. On ne va pas oublier la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le président d'exercice de l'EAC venait de séjourner à Kinshasa. Il s'est entretenu avec le chef de l'État autour, bien évidemment, de cette situation qui prévaut dans la partie est de notre pays où nous continuons de comptabiliser des morts. Quelle solution ou quelle recette appliquer pour mettre fin à cette insécurité de plus en plus grandissante? Nous en parlons avec M. Fidèle Banso, désormais, je me permets de le dire, cadre de l'Union sacrée. Il va bien évidemment nous dire au niveau de quel parti il va évoluer. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour moi d'être reçu sur les antennes de Perfect Télévision dans votre excellentissime émission Perfect Actu. Merci beaucoup. Je suis très content de votre invitation ce matin. Comment allez-vous? Bon, en tout cas, je ne vais pas bien parce que notre pays n'est pas aussi... la santé n'est pas bonne. Toujours les tueries. J'ai suivi hier, le week-end encore, dans les Béni. Les ZADF ont encore massacré plus de 17 personnes là-bas, innocentes, qui meurent sans procès, sans problème, sans avoir pris, sans avoir volé quoi que ce soit. Je pense que on en a vraiment marre avec ces tueries à répétition. Est-ce que nous reflétons l'image d'un pays qui est agressé au point de pousser la communauté internationale à prendre au sérieux la question de cette agression rwandaise? Vous pensez que nos autorités sont un peu préoccupées par autre chose que le rétablissement de la paix? Merci beaucoup. Je pense que avant peut-être d'aborder cette question de paix, j'ai deux messages. Mm-hmm. Que vous me permettrez de passer. Le premier message, je voulais féliciter mon idole politique en la personne de son excellence José Mpanda Kabangu. Ah bon? Oui. Déjà. Je le félicite. Pourquoi? Parce que son siège était volé par la CENI. Vous connaissez ces débourdes que la CENI a perpétrées lors des récentes élections, dont mon idole politique, en la personne du ministre José Mpanda, s'est vu écarté de la course. Mais la justice, bien que malade, comme on l'a dit, elle a réussi quand même à replacer M. José Mpanda dans ses droits, en confirmant son élection dans les législatures. Dans la législature. Qu'est-ce que j'allais dire? En confirmant son élection dans les élections. C'est ça. Permettez cette tautologie. Pour les élections passées, il a été définitivement proclamé par la Cour constitutionnelle.
Et pour ça, je voudrais vraiment lui féliciter pour ça. Non seulement cela, Monsieur Hervé, si vous me voyez trop me pencher à la question de l'excellence José Mpanda, c'est parce que José Mpanda, c'était ministre. Moi, j'ai déjà vécu des ministres, mais de la trempe de José Mpanda, je ne l'ai pas encore vu. Un homme très humble. Il faut essayer un peu de l'approcher. Très humble, très sociable, qui est toujours à l'écoute de tout le monde. Il suffit que vous ayez la bonne chance de vous réveiller très bien. Vous les croisez au couloir. Si vous aviez un problème qui était épineux, qui vous tracassait, automatiquement, il trouve des solutions. Eh bien, moi, je pense que je ne regrette pas de choisir aujourd'hui de prendre mon adhésion dans les partis Congo Espoir. Je n'ai pas encore officiellement adhéré, mais je suis dans les processus d'adhérer dans les partis Congo Espoir parce que le chef, notre chef de file, vraiment est parvenu à me convaincre de par sa manière, son leadership éclairé, merci, de par sa façon de faire les choses. Le deuxième message, je vais dénoncer un fait. Un fait, nous avons condamné tout récemment les ministres élus députés de faire les cumuls de fonctions. Mais nous avons un cas de flagrance de cumul au ministère de l'Agriculture où un monsieur, je ne sais pas, il se croit être qui dans ce pays. Il est DAF du ministère, mais aussi il est RAF dans un projet du même ministère. Pourtant, les statuts régissant les agents des carrières de services publics de l'État interdit les cumuls de fonctions. En principe, ce que la loi lui reconnaît, il doit faire les choix. Soit il part au projet, et quand il part au projet, en ce moment-là, il sera en détachement. C'est-à-dire qu'on lui donne une possibilité. Prochainement, dès que le projet prend fin, il peut encore réintégrer l'administration. Mais si l'arrêt de la Cour constitutionnelle interdisant les cumuls des fonctions a été foulé au pied par le chef de l'État, que voulez-vous qu'un simple citoyen puisse faire? Non. Je pense ici, il n'en est pas le cas. Ici, nous ne sommes pas en politique. Ici, nous sommes dans l'administration. Et l'administration a ses règles, a ses principes, et ces principes sont inviolables. Soit vous êtes dans l'administration, soit vous êtes au projet. Et nous sommes en train de dénoncer ces cas. Il y a une jurisprudence. Un ancien directeur qui était un directeur de l'inspection dans le même ministère, qui a été engagé dans un projet PADRIR du même ministère, il a été obligé automatiquement de quitter ses fonctions de directeur de l'inspection pour rejoindre ses nouvelles fonctions de coordonnateur du projet dans les Kassai. Et donc, nous sommes en train de dénoncer ces cas. Monsieur le directeur DAF doit soit être dans les projets, soit être dans l'administration. Sinon, ces cas posent beaucoup de remous, posent beaucoup de frustrations la part de tous les autres ministères. Maintenant, revenant à votre question. Nous reflétons l'image d'un pays qui est réellement agressé. Vous pensez que nous avons des autorités qui ont des idées ailleurs et qui pensent peut-être à la formation du prochain gouvernement, à leur positionnement politique, plutôt que de songer au rétablissement de la paix? Bon, papa Hervé, moi, quand j'aborde la question de l'Est, je suis souvent meurtri. Je vous ai dit dans notre récente émission que moi, je suis natif de là. Principalement, j'ai évolué dans la province du Nord Kivu. C'est là que j'ai fait mes études, jusqu'à être ce que nous sommes devenus. C'est-à-dire, quand j'aborde des questions de l'Est, je suis vraiment touché, d'abord, de la manière dont cette question de l'insécurité ou de la paix à l'Est est prise avec beaucoup de légèreté par les autorités. Les gens meurent à l'Est, mais ici, les gens sont dans des fêtes, sont dans des voyages. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas faire la fête lorsque les gens sont en train de mourir à l'Est. Et les gens ne peuvent pas nous prendre au sérieux en ce moment-là. Pourquoi? Parce que, regardez par exemple le président ukrainien. Depuis que la Russie a menacé l'Ukraine, je n'ai jamais vu le président ukrainien en veste. Ou en chemise. Exact. Jamais. C'est-à-dire qu'il a refusé cette vie de luxe. Il est toujours en tenue militaire, en polo.
Et ceci pour expliquer, pour faire entendre qu'il y a un problème. Mais nous, comment les gens peuvent nous prendre au sérieux lorsque les gens meurent à l'est des défunts, les réfugiés, les déplacés. Mais ici, vous allez entendre les déplacés de guerre qui n'ont même pas de coffre. Les députés, $33,000. Les ministres, $50,000. Les présidents de la République, les Mbosso et les autres, des montants pharaoniques. Mais les gens meurent de faim là-bas. Je ne sais pas si d'autres nations peuvent nous prendre au sérieux. Qui volent au secours de ces déplacés de guerre. Mais en fait, on se pose la question, est-ce qu'on est encore dans un État, dans une République, lorsqu'on manque même l'âme, la compassion, quand il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants qui meurent de faim dans le camp des déplacés. Mais le gouvernement manque des moyens pour subvenir à leurs besoins. Je pense qu'on ne peut pas nous prendre au sérieux. Et moi, j'interpelle le président de la République. Vous voyez, vous savez, mon cher Hervé, la question de la guerre. Les gens pensent que... Ici, à qui j'entends les gens discourir dans tous les sens, voilà, il faut qu'il y ait seulement la guerre, il faut seulement qu'on frappe les Rwandais. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne option. La guerre ne s'est jamais terminée par... La paix, pour qu'on rétablisse la paix. Je ne pense pas que la guerre soit la meilleure option. Parce que les Rwandais aussi se préparent peut-être. Comme nous aussi, nous nous préparons. Et qui vont en pâtir, qui vont souffrir de cette guerre? Ce sont les paisibles citoyens. C'est pourquoi, moi, mon point de vue, si le chef de l'État pouvait m'écouter, moi, je peux lui dire que la guerre ne résout pas les problèmes. Les combats, les atrocités ne résolvent pas les problèmes. Et quelle est la meilleure option? Mais la meilleure option, c'est le dialogue. Le dialogue. Kabila a fini la guerre de M23. Vous savez que quand les M23 ont pris Goma en 2013, moi j'étais à Goma. En ce moment-là, j'étais professeur. J'étais en train de donner cours. Mais est-ce que vous avez suivi même un seul coup de balle retentir dans la ville? Non. La guerre finit par voie diplomatique, par voie de dialogue. Et moi, je pense que c'est la meilleure option que le président de la République puisse emprunter. Et non suivre les mouchards, les gens qui les trompent de gauche à droite. Est-ce que l'option... Plus de 300 jours depuis que Bounagane était parti. Et aujourd'hui, nous apprenons, pas plus tard qu'hier, avant-hier, ils sont dans des villages environnants de la ville de Goma. Non, rien, c'est à quelques kilomètres de la ville. Et moi, je pense qu'il y a lieu de revoir autrement cette question. Les gens qui soutiennent la thèse de la guerre, c'est parce qu'ils n'ont jamais vu la guerre. Les effets de la guerre sont toujours nocifs. Regarde quand les ennemis là, larguent des bombes dans la ville de Sake, dans la cité de Sake, dans la ville de Goma. Qui en pâtissent? Ce sont les paisibles citoyens. Le président de la République est ici. Les Mbosso sont ici. Les Bahati sont ici. Mais les paisibles citoyens sont en train de subir les conséquences de cette guerre. Qu'est-ce qui manque finalement à la RDC de répondre sur le même ton aux provocations de nos agresseurs? Comment on peut se réveiller un bon matin? Les gens décident de larguer des bombes sur notre aéroport et nous nous répondons par un simple communiqué où le gouvernement constate les faits et se limite à le dénoncer. Jusqu'à quand nous allons continuer à subir des coups sans en répondre? C'est-à-dire quoi? Vous voyez, le camp de l'ennemi, lui, n'a pas de compassion pour la population. Mais le gouvernement sait très bien que tous les territoires occupés, il y a toujours des citoyens congolais qui sont là. S'il répond à ces réactions-là, mais il y a beaucoup de milliers de personnes qui vont mourir. Alors, voilà comment les gouvernements, nos militaires, nos vaillants militaires sur les fronts, essaient d'y aller de manière un peu tactique. Mais c'est nous qui perdons. Pourquoi? Parce que, mon cher ami, la guerre, comme je venais de le dire, ce n'est pas une bonne option. Surtout dans un pays comme le nôtre ici. La guerre n'est pas une bonne option pour rétablir la paix. Il faut aller sur le chemin de dialogue, le chemin de diplomatie. Et moi, j'encourage ça, au lieu qu'il y ait la guerre. Parce que si nos militaires répliquaient et que, par exemple, les ennemis larguent des bombes
dans toute la ville de Goma. Vous pouvez calculer les conséquences. Est-ce que nous manquons des bombes à larguer aussi dans les camps des ennemis? Ah, c'est-à-dire, si nous larguions des bombes et qu'eux aussi larguaient des bombes, vous ne voyez pas que de part et d'autre, il y aura des pertes en vies humaines. Et ça sera toujours nos populations qui seront endeuillées. Et moi, je pense que je continue à marteler là-dessus. La voie de la guerre n'est pas la solution pour rétablir la paix à l'Est. Kabila, en 2013, les M23 avaient déjà conquis la ville. Pendant 2 semaines, 3 semaines, ils étaient là. Mais un bon matin, nous sommes réveillés. Demain, les M23 sont repartis d'où ils étaient venus. Et de 2013 jusqu'en 2019, le dossier M23 était déjà, ça appartenait déjà au passé. Bon, vous connaissez avec moi comment les M23 ont refait surface. Je ne vais pas revenir sur ça. Plutôt, je suggère au président de la République de considérer la voie du dialogue, la voie de la diplomatie. Mais c'est ce que le président a toujours appliqué. Le président a toujours appliqué le dialogue, la diplomatie. Non, il y a beaucoup... En face de nous, nous avons des gens qui n'ont aucun respect de la parole donnée. Nous avons signé plusieurs accords à Nairobi, à Luanda, un peu partout. Mais ces accords n'ont jamais été respectés. On nous a demandé d'appliquer ou de faire observer la zone tampon. Mais malheureusement, ces rebelles continuent de gagner des localités alors que nos militaires sont contraints de respecter la zone tampon. Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui victimes de notre naïveté? Mon cher Hervé, à ma simple connaissance, la guerre ne résout pas les problèmes de l'Est. Ce qui peut résoudre les problèmes de l'Est, c'est le dialogue. Un dialogue franc. Je venais de paraphraser tout à l'heure là, par les passés. Il y avait CNDP, défait par voie de dialogue. Il y a eu M23, défait par voie de dialogue. Il y avait RCD, par voie de dialogue, c'est parti. Et sans qu'il y ait effusion de sang. Et maintenant, est-ce que vous connaissez à Goma, là, il y a, on estime déjà aujourd'hui à combien de millions d'habitants qui sont en déplacement, dans les retours, dans les massifs. Et ces gens-là dorment à la belle étoile. Les enfants, ils ont abandonné l'école. Mais de l'autre côté, au Rwanda, leurs enfants étudient. Vous ne voyez pas que nous sommes en train de perdre. Et nos populations souffrent. Et il n'y a aucune solution qui est jusque-là envisageable par voie de la guerre. Les Oisalendo, oui, se comportent bien. Nos militaires, oui, se comportent bien. Mais les ennemis, ils ont des renforts dont on sait leur origine. Et j'encourage, moi, je ne vais pas parler comme les autres, là, les mouchards autour du chef de l'État, qui lui encouragent de ne pas négocier, d'utiliser la voie de la guerre. La guerre ne résout pas des problèmes. Regarde en Ukraine, l'Ukraine et la Russie, depuis qu'ils ont commencé. Est-ce qu'il y a eu ni vainqueur ni vaincu? Regarde en Israël, Israël et Palestine. Il y a vainqueur, il y a vaincu. De part et d'autre, il y a des pertes en vie humaine. De part et d'autre, il y a toujours des pertes en ce qui concerne les biens matériels. D'où, je réitère encore ma voix, ma parole, les gouvernements, notre gouvernement, qu'il accepte de dialoguer avec ces gens-là et qu'on comprenne qu'est-ce qu'ils veulent finalement. Ce qui est vrai, on a dialogue. Ce qui est vrai, le président s'est montré ouvert, a voulu qu'il y ait la paix. Et au début, il croyait que ces gens-là sont sincères. Mon cher, nous avons vécu avec ces gens. Ces gens-là ne sont pas sincères. Et il ne faut jamais accepter ce que nous avions accepté par le passé avec notre chef de l'État. Le fait d'avoir approché Kagame, le prendre comme son frère, c'était une erreur gravissime. Gravissime. Gravissime pour Kagame, lui pensait que c'est une faiblesse. Et il en a profité maintenant pour commencer à nous poignarder dans les dos. Et regardez où nous en sommes maintenant. Qu'est-ce que le président n'a pas fait? Donc, il donne même l'exploitation, la raffinerie de l'or congolais au Rwanda. Il leur accorde même l'ouverture de leur ambassade ici. Il accepte même que leurs avions rwandais, tu sais que les Congolais commençaient, au lieu de prendre Congo Airways, ils commençaient à prendre rwandais ici. Rwandais, Kigali, Kigali, bus jusqu'à Goma ou à Bukavu. Tout ça, Kagame n'a pas compris que c'était la bonne foi du chef de l'État. Mais il s'en est servi maintenant pour faire quoi? Pour les poignarder dans les dos.
Et voilà aujourd'hui où est-ce que nous en sommes. Maintenant, pour sauvegarder les vies des Congolais, moi je vois les vies des gens, les gens qui meurent au front. La semaine passée, deux bombes tombent dans une église à Minova. Minova, c'est une cité qui est dans la province du Sud Kivu, à quelques kilomètres seulement de la ville de Goma, qui sont morts. C'est toujours nos paisibles citoyens. Alors, si le président rwandais, en dépit de tous les privilèges reçus de son homologue congolais, n'a pas été en mesure de respecter ou de faire vivre les bons voisinages entre nos deux États. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois, avec ces dialogues en gestation qui va se tenir, bien évidemment, à Luanda ou peut-être ailleurs, que Kagame va changer de fusil d'épaule et nous traiter de manière digne? Ou avec qui le gouvernement congolais doit dialoguer? Est-ce avec les rebelles ou avec Kagame qui est présenté aujourd'hui comme le bras séculier de ces mouvements rebelles? Bon, merci pour la question. Moi, je pense que lorsqu'il y a un dialogue, n'est-ce pas, il y a toujours des facilitateurs. Exact. Il y a toujours des clauses. Il y a toujours des termes qu'on met dans les dialogues, dans les pactes qui sera signé entre les deux. Pour dire, voilà, nous concédons ceci ou cela, et les facilitateurs qui sont là comme des témoins vont prendre acte, et chacun veillera maintenant au respect strict de ce qu'il a fait comme dialogue. Je vous dis, je ne sais pas si ça va énerver nos téléspectateurs, il y a un professeur qui nous disait lorsqu'on étudiait que les Congo et les Rwanda, ce sont deux pays qui sont et qui seront intimement liés. Et l'un ou l'autre ne peut vivre sans l'autre. Ça rétenerve. Les Congolais, au nord Kivu, au sud Kivu, ne peuvent pas vivre sans la ville de Gisenyi, sans la ville de Tchangougou. Ils ne peuvent pas. Parce que les Rwandaises quittent le matin là-bas. Comme aujourd'hui, maintenant, il y a la guerre à Masisi et Rutshuru, Kiravita et Goma. Vous savez, les Congolais sont nourris par quelle voie? Les nourritures viennent de la ville voisine de Gisenyi. C'est Gisenyi qui nourrit aujourd'hui la ville de Goma. Tchangougou nourrit la ville de Bukavu. Et j'entends d'autres qui disent, voilà, il faut fermer les frontières, il faut mettre un mur. Je vous dis, le jour où on va commettre cette erreur, je vous dis, nous allons regretter. Est-ce que vous savez que ces deux villes sont enclavées? Il n'y a pas de route chez nous. Vous ne pouvez pas quitter Nord Kivu jusqu'au Sud Kivu par voie terrestre. Non, non. Mais pour le Rwanda, vous pouvez quitter Tchangougou et vous arrivez à Gisenyi à pied, par voie terrestre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour dire que les Rwanda, les Congo, ils sont obligés de vivre ensemble. Et lorsqu'il y a des guerres politiques, ceux qui en pâtissent, c'est nous, la population. C'est les paisibles citoyens. Et voilà pourquoi nous continuons à dire que le dialogue est le bienvenu. Que le chef de l'État accepte de dialoguer avec son homologue rwandais, bien sûr, avec des clauses sérieuses qui permettront cette fois-ci à l'un ou l'autre de respecter ses engagements, afin que nos paisibles citoyens, ni de l'autre côté du Rwanda, ni de l'autre côté du Congo, puissent toujours continuer à vivre ensemble comme par le passé. Donc c'est un peu ça mon point de vue. Merci beaucoup. Oui. On va parler politique. L'informateur Augustin Kabuya, aux dernières nouvelles, a bouclé totalement sa mission. Il a reçu hier la délégation du MLC. Et nous apprenons qu'il va déposer dans les prochaines heures le rapport final de sa mission sur la table du chef de l'État. Alors, l'épineuse question de la formation du gouvernement va devoir voir les jours. Nous attendons peut-être dans quelques jours ici la nomination du Premier ministre. J'y reviens encore sur cette question. Le chef de l'État, comment doit-il se comporter face à ses ambitions déclarées au sein de sa famille politique? Comment doit-il gérer toutes ses ambitions? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Moi, je pense qu'une chose que je suis en train de retenir, c'est que dans ces pays, nous n'avons pas de politiciens qui travaillent vraiment pour le développement du pays et la survie de la population. Même votre idole politique.
Disons-le comme ça. Pourquoi je l'ai dit comme ça? Aujourd'hui, dans l'Assemblée nationale, 95% des députés sont de l'Union sacrée. Exact. L'opposition n'a que 12 ou 17. Toute l'opposition qu'on vote. Et d'ailleurs, certains de l'opposition, comme les Mouzito, comme les Matata, ont déjà fait allégeance au camp de, à notre camp de l'Union sacrée. Maintenant, la question que je me pose, tous les Bemba, les Kamere, les Katoum, de quoi, les Bahati, les Mbosso, tous sont de l'Union sacrée, sont d'une même famille politique. Maintenant, la question que je me pose, ces tractations, ces incompréhensions entre eux, d'où viennent-elles? Parce que tous sont d'une même famille politique. Tous ont comme leader les chefs de l'État. Tous soutiennent le président de la République. Mais ce que nous sommes en train de suivre ces derniers temps, entre Mbosso et Kamere, mon cher, en tout cas, ça nous pousse à croire que, en tout cas, nos politiciens... Entre tous les membres du présidium de l'Union sacrée. En tout cas, il n'y a pas avec tout le respect, Pepe Mbosso, vraiment... Je ne vois pas si vous arrivez au moins à vous mettre sur un balançoir entre vous et Kamere. C'est le jour et la nuit. Comment ça? Kamere, il n'y a jamais eu un président de l'Assemblée nationale de la trempe de Kamere depuis qu'il a quitté l'Assemblée nationale. Et moi, je pense que Pepe Mbosso commençait à faire des crocs en jambes, hein, faire des histoires contre Kamere, monter des c'est histoires. Un acteur politique, il a des acteur il a, politique, il a, oui. Des ambitions. Il doit comprendre que de l'Assemblée nationale. Le cadeau qui lui a été offert dans, pour les mandats passés, parce que il avait servi de trop pour que Mabunda puisse tomber, je pense que ça suffit. Maintenant là, ce sont des calculs politiques. Mbosso d'abord, son parti s'appelle comment? CMRD. CRD. CRD là, il a combien de députés d'abord? Aujourd'hui, la deuxième famille, la deuxième force politique dans ce pays, après l'UDPS, d'après les élections de notre ami, comment il s'appelle? Kadima. C'est l'UNC. Et des droits, on sait comment ça se passe. Maintenant, Mbosso, de quel droit il est en train de s'arroger les pouvoirs, de vouloir encore récupérer la présidence de l'Assemblée nationale. Pour ce qui concerne la gestion des ambitions, nous continuons à suggérer au président de la République, sauf trois ministres qui peuvent revenir de l'ancien gouvernement, ou quatre, je vais ajouter quatre. Un, mon idole, José Mpanda Kabango. Excellence, monsieur le président de la République, si vous allez changer tout le monde, laissez José Mpanda à l'agriculture. Deux, Jean-Pierre Liaou, à la fonction publique. Vraiment, Jean-Pierre Liaou fait un travail de titan. Il mérite. Trois, Aimé Boji Sangar, au budget. Je pense que le ministre d'État Aimé Boji mérite d'être reconduit. Parce que la manière dont il est en train de conduire le budget de l'État avec rationalisme, avec... compétences, je pense que Aimé Boji mérite d'être reconduit comme ministre du budget. Et quatre, Patrick Muyaye. Même si il est un peu ce qu'il est, mais je vois quand même qu'il peut encore revenir parce que il nous a fait un peu oublier Lambert Mende. Un peu. Mais au moins les quatre, José Mpanda, Jean-Pierre Liaou, Aimé Boji Sangara et Patrick Muyaye. Les quatre dans les 50 ministres, Excellence, Monsieur le Président de la République, dans votre pouvoir discrétionnaire, si vous pouvez nous ramener ces gens-là, ces ministres-là, qui ont brillé de leurs compétences, de leur dévouement, dans les secteurs où ils sont, sincèrement, ils ont abattu un travail qui cadre avec votre vision, celle du peuple d'abord. Bien que malheureusement, ces derniers temps, on n'en parle plus. Ça fait pratiquement 3 mois depuis que le président a prêté serment pour lancer son deuxième et dernier mandat.
Mais il était connu de tous que l'Union sacrée, c'était la coalition, les regroupements majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi on a accepté de perdre trois mois à travers des tractations, à travers l'identification de la majorité, alors qu'on pouvait peut-être passer directement à l'action? Pourquoi on a accepté de perdre tous ces temps? C'est ça maintenant la faiblesse de notre sphère politique. Parce que là, c'est les gens qui passent. J'ai vu en France récemment, quand Attal, c'est ça? Exact. A été nommé Premier ministre. Deux jours qui ont suivi, il a sorti le gouvernement. Avant même qu'on nomme Attal, l'ancien Premier ministre, lorsqu'il a démissionné, ça n'a pas fait 48 heures. Le président, directement, il a nommé un Premier ministre. Moi, je pense que nous faire perdre déjà 3 mois 90 jours, je pense que ça sera même plus que ça. Ne pensez pas que le gouvernement va sortir aujourd'hui. Si on nomme le Premier ministre, il y aura encore des réglages, des réglages, des réglages. Et moi, il doit aussi consulter à son tour. Je vois ce gouvernement apparaître au mois de juin. Bah, surtout qu'il y a aussi l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui s'est fait encore attendre. Je vous dis, avant juin, voir les règlements intérieurs. Avant juin, je ne vois pas le nouveau gouvernement ici. Et je pense que ce n'est pas une façon d'aider le président de la République. Le président de la République devait, après juste sa prestation de serment, c'était connu de tout le monde que l'opposition n'a pas eu même 20 députés. Donc, c'est sa famille politique qui a eu la majorité écrasante. Et par conséquent, le Premier ministre viendrait toujours de cette famille politique, de cette coalition qui était l'Union sacrée. Maintenant, nous balloter aux informateurs, l'informateur... Mon cher Hervé, ce que je viens de voir dans ce pays, l'informateur aussi a déjà même les sons. Informateur, les sons. Il a déjà même quoi? Des logos, informateur. Il a même un protocole. Il a déjà un protocole. Il a déjà tout un bureau. Tout ça, vous savez pourquoi? C'est pour dilapider l'argent de l'État congolais. Et une mission d'un informateur. Mais pour consulter tous ces gens. Et ça peut prendre même une semaine. Dans une journée, n'est-ce pas, on peut prendre Mbosso, Bahati, Kamere, tous ces grands leaders de la famille politique du chef de l'État. En une journée, je vous dis, vous commencez à 8h avec un programme bien précis. À 8h, Bemba. 8h30, Kamere. 9h, Lukwebo. 9h30, Tel. Dans une journée, l'informateur a déjà fini. Mais, comme c'est une occasion de donner aux autres aussi l'occasion de manger, voilà, j'ai vu même les sceaux de l'informateur avec des communiqués bien signés, scellés. J'ai dit, mais où est-ce qu'on va dans ces pays? Est-ce que l'informateur, c'est une institution aussi? C'est quoi l'informateur? Vous avez juste une mission qui dure dans le temps, d'identifier et après ça c'est fini. Et on va louer des grands hôtels, tout ça pour frais de l'État. Les frais de l'État, l'argent du trésor public. Au mépris des agents de l'État, au mépris des fonctionnaires qui souffrent. Nous sommes aujourd'hui le quantième, M. Hervé, le 27. Aucun fonctionnaire n'est encore payé. Aucun. Venez me contredire. Aucun fonctionnaire, le 27. Donc, demain le 28, vendredi le 29, on revient le 3, lundi, ou si c'est le premier, aucun fonctionnaire. Et c'est devenu la mode. Et Nicolas Kazadi ne se gêne pas. Moi, je pense que s'il y a un ministre qui ne doit plus refaire surface, c'est Nicolas Kazadi. Ah bon? Nicolas Kazadi doit partir. Et pourtant, il est présenté comme ce ministre. Nicolas Kazadi doit partir. Qui a travaillé dans le sens de la maximisation des recettes. Il a prouvé ses insuffisances. Parce que si on n'est pas encore payé, c'est lui. C'est lui qui gère les finances. C'est lui. Comment expliquer les mois derniers, les fonctionnaires ont touché les 15, les 17, les 18. Donc, les 48. Et ils imaginent comment... Donc, le salaire de février les gens qui ont des crédits des banques, la banque déjà a coupé. Vous allez retirer votre argent. La banque a déjà coupé 2 mois de suite. Et vous allez dire à votre bailleur quoi? Et vous allez dire à l'école des enfants quoi? Moi, je pense que vraiment, nos politiciens,
Ayez quand même l'amour de vos prochains. Hein? Ayez l'amour de vos prochains, s'il vous plaît. Hein? Faut pas penser que c'est vous-même, ce pays vous appartient seul. Nous ne sommes pas venus vous laisser dans ce pays. Nous ne sommes pas venus vous accompagner. Hein? Est-ce que Nicolas Kazaï peut nous dire pourquoi jusqu'à aujourd'hui les fonctionnaires ne sont pas payés? Mais lui, là où il est là, des millions dans son compte. Est-ce que lui, il peut manquer même $100, $1,000, $10,000? Il ne peut pas. Et pour ça, on se fout de simples fonctionnaires de l'État qui sont d'abord mal payés, sous-payés de tous les fonctionnaires du monde entier. Et même ce salaire modique là, pour l'avoir, c'est tout un problème. Moi, je pense que Monsieur le Président de la République, Nicolas Kazadi, Azonga, Té, Akendeli, Bella Penza. Il est candidat sénateur. Bon, qu'il aille au Sénat là-bas, mais au ministère des Finances, papa. Allez là, vous allez voir comment les gens pleurent là. Vous avez, le budget a déjà ordonnancé qu'on puisse vous payer, n'est-ce pas? Vous avez déjà les DTO. Pour que Nicolas Kazadi vous sorte l'argent, ce n'est même pas son argent, l'argent de l'État. Est-ce que vous savez que Nicolas Kazadi là, tous les services ici, à part son ministère des Finances et des Budgets, tous les autres ministères, pour sortir les frais de fonctionnement des ministères, des secrétariats généraux, il n'en sort pas. Ah. Vous le savez? Des secrétariats généraux manquent même des papiers, alors que l'État a alloué des fonds pour le fonctionnement. Les directions, chaque direction a ses frais de fonctionnement. Aucune direction qui touche les frais de fonctionnement. Et Nicolas Kazadi peut nous dire où va cet argent. Mais est-ce que le président de la République, le premier ministre qui sont avec lui tous les vendredis au Conseil des ministres, ne sont-ils pas informés de cette situation? S'ils sont informés, qu'est-ce qu'ils font? Ou qu'est-ce qu'ils prennent comme décision pour sanctionner le ministre Nicolas Kazadi se comporte comme un monarque, donc avec une arrogance. Non, mais au-dessus de lui, il y a un premier ministre. Un jour, je suis allé là-bas, j'avais un dossier là, je devais voyager pour Dubaï, je pense. J'ai vu même des personnes handicapées en train de passer des nuits là-bas. Faut pas, si vous voulez voir ce qui se passe aux finances, là, ne passez pas par voie de boulevard, passez par voie de l'intérieur là-bas. Les gens dorment là-bas, à même le sol. Nicolas Kazadi, pas même la compassion. Mais répondez à ma question, est-ce que le président de la République, le premier ministre, sont-ils pas informés de la situation? Je pense que Ils sont avec lui tous les vendredis au Conseil des ministres. Je pense que le président de la République n'a rien à faire là. Nicolas Kazadi dépend directement du chef du gouvernement. Qui est le premier ministre? On peut dire que le premier ministre est complice, je pense. Le premier ministre est-il complice? Comment tous les services, à part budget, finance, tous les autres ministères presque, ne touchent pas des frais que l'État a alloués pour leur fonctionnement. Vous avez déjà les DTO. Les DTO, c'est les numéros que vous avez. Dès que vous avez ça, les finances maintenant, les ministres des Finances envoient l'ordre de paiement à la Banque centrale pour sortir l'argent. Mais papa, si vous voyez combien de DTO qui dorment là-bas, sans être payés, vous allez Non, payer. Le problème, c'est Samalou Kone qui n'a peut-être pas de personnalité. Samalou Kone aussi, qui n'a peut-être pas aussi des rigueurs, a démontré ses limites. Samalou Kone a démontré ses limites. De tous les premiers ministres qu'on a connus dans ce pays, Samalou Kone a fait la honte. Il a fait la honte parce que je n'ai vu aucune innovation, rien. Vous pouvez me citer quelque chose que Samalou Kone a déjà initié? Nous avons vu sous Matata Ponyo. Kinshasa zéro trou. Parlons-en. Un projet exécuté à 87%. Ah bon? Selon les ministres des infrastructures. Ah bon? Je vais vous donner seulement, si c'est à 87%, demandez à Samalou Kone, le premier ministre, de passer vers Nguma. Nguma, vous voyez, quitter magasin jusque vers Saint-Luc. Vous allez pleurer. Hein? Zéro trou. Et ce qui m'étonne, là où j'ai trouvé que notre pays n'a pas d'homme d'État, ça c'est le passage du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobile. Le passage d'Embosso qui est en train de se battre pour le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais papa, si vous passez par cette route-là, vous allez regretter. Vous allez regretter. Je vous dis, des nids d'oiseaux impossibles. Une route où passent les grandes autorités de ces pays. Est-ce que vraiment, pour même boucher ces trous-là, ça peut coûter quoi? Au gouvernement. Et vous allez me dire, 03 a réussi. Le ministre des Infrastructures, Alexis Guissard, nous dit que le projet est exécuté à 87%.
Je vous dis, dans ce pays, il y a des aventuriers. J'ai suivi un autre DG qui est en train de dire que la régie des eaux, l'eau de la régie des eaux, c'est l'eau la plus pire. Maintenant, quel est... En tout cas, dans ce pays, on verra tout vraiment. Maintenant, un jour après, j'ai vu des gens qui sortent... Des photos. Des photos, des images. Il faut voir l'eau qui sort des robinets de cette régie des eaux. Maintenant, qui a tort? C'est les DG ou les gens qui ont brandi les images? Moi, je pense que le ministre, peut-être aussi qu'il est trompé par ce conseil. Vous savez les problèmes que nous avons dans ce pays, les suivis. Le ministre est assis. C'est pourquoi c'est ça la particularité de Josène Panda. Papa, Josène Panda ne s'assoit jamais dans son bureau. Je vous dis, c'est un homme qui. Un ministre qui. J'ai déjà vu des ministres, mais du niveau de Josène Panda, je n'en ai pas encore vu. Allez chercher votre adhésion calmement dans son parti. Merci. Très bien, on va évoluer. Est-ce que la mission de l'informateur peut-elle permettre au président de la République de mettre la main sur cet oiseau rare qu'il peut porter plus tard à la tête du gouvernement? Bon, Hervé, j'ai d'abord une confusion. J'entends des gens spéculer dans tous les sens. Un informateur est différent d'un formateur, n'est-ce pas? Bon, il a été informateur et puis il est devenu formateur. Formateur par quel acte? Quel acte qui a fait de lui? Vous voyez, dans ces pays où on blague beaucoup avec l'administration, ça c'est blaguer avec l'administration. Hein? On a vu un communiqué qui faisait de lui un formateur d'abord. Communiqué signé par le directeur de cabinet du chef. Est-ce qu'il faut un communiqué? Le communiqué a quelle valeur juridique pour nommer quelqu'un informateur? Tout ça, ça montre que... Mais les collèges juridiques du chef de l'État, ça sert à quoi? De deux. Nous avons vu le président de la République... Kabuya est allé, l'informateur est allé lui présenter les rapports mis par coup, et le président lui a dit non, il y a encore quelques réglages. C'est pas à dire que ceci fait de lui formateur. En d'autres termes, un formateur du gouvernement, c'est celui qui est déjà bénéficiaire de l'ordonnance du président de la République faisant de lui premier ministre. C'est quand il y a déjà un premier ministre nommé qu'il va maintenant commencer aussi ses consultations. Ok, selon l'esprit de la haute hiérarchie pour la formation du gouvernement. Maintenant, Kabuya, lui, va être formateur du gouvernement. Donc, c'est lui le formateur, donc c'est lui le premier ministre. Maintenant, quel est l'acte qui a fait de lui premier ministre? Je pense là, il y a de l'amalgame. Kabuya, jusque-là, est dans son travail de formateur. On s'arrête là-bas. Quand il y aura un premier ministre nommé par ordonnance présidentielle, celui-là va jouer maintenant le rôle de formateur. C'est celui qui va prendre Bahati. Amène-moi deux ou trois noms. Nani Kamere, amène-moi cinq noms. Tel, amène-moi autant de noms. Très bien. Et celui-là va jouer maintenant le rôle de formateur. Maintenant, moi je pense que jusque-là, Augustin Kabuya, il s'est quand même démarqué parce que personne qui lui avait donné la chance qu'il allait amener à bon port cette mission lui assignée par la haute hiérarchie. Mais nous voyons quand même qu'il fait bien ses consultations qui, malheureusement, jusque-là, ne nous font pas aboutir au résultat attendu. Très bien. Mais avoir la composition de l'Union sacrée, est-ce que vous pensez qu'un oiseau rare peut sortir de là et être porté à la tête du gouvernement? Pour répondre aussi... aux attentes de la population, il y a énormément de défis à relever, il y a énormément de priorités, il y a énormément de problèmes. Est-ce que dans la famille Union Sacrée, il y a cette personne avec un profil capable de mener à bon port le travail du chef du gouvernement? Si je vous dis qu'il n'y en a pas, donc je mens. Dans l'Union Sacrée, mon cher, il y a des hommes pétris de compétences. Prenez seulement Jean-Pierre Liaou là-bas. Jean-Pierre Liaou et Bois. VPM de la fonction publique. Mais papa, si on prend celui-là comme premier ministre, c'est tous les pays d'école. Prenez Matata, parce qu'il est aujourd'hui de l'Union Sacrée. Matata Pogno. Bon, il n'a jamais déclaré de manière formelle. Mais nous l'avons vu se faire consulter, papa. On l'a vu se faire consulter. C'est qu'il est déjà de l'Union Sacrée. Je pense. Si on prend Matata, Matata a fait ses preuves ici dans ce pays. Au-delà de Jean-Pierre Liaou,
Il y en a beaucoup, carton plein, même le pacificateur Vital Kamerhe. Il peut bien jouer ce rôle-là. Même Lukwebo, parlons-en. Lukwebo peut bien jouer ce rôle-là. Parce que quand même, on voit partout où il passe, il essaie quand même de faire une distinction, de donner une image de marque. Donc, dans l'Union sacrée, il y a des hommes et des femmes pétris de connaissances et qui peuvent enlever les pays dans les gouffres. Si le président a déjà une idée sur le profil cherché par lui, pourquoi ne pas passer directement à l'acte en nommant un premier ministre de manière formelle plutôt que de faire tous ces contours? Je pense que le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, c'est ça ce qui lui reste à faire. Monsieur le président de la République, vous nous prenez beaucoup de temps. Tous ces ministres-là qui expédient les affaires courantes, vous leur avez donné des compétences limitées, mais ils sont en train d'agir. Ils prennent des actes comme des ministres en fonction, avec le plein pouvoir. Et moi, je pense que le président de la République, cette semaine ici, si ça finit sans qu'il y ait le premier ministre, moi, sincèrement, je serais déçu. Et si le président décidait de reconduire Samalou Kondé à la tête du gouvernement? Je pense que le président ne peut pas commettre cette erreur-là. Ah bon? C'est une erreur? En tout cas, une erreur. Sa nomination a été une erreur. D'ailleurs, j'étais étonné de le voir reconduit au Samadé. J'étais vraiment étonné. Parce que Samalou Kondé n'a rien fait. S'il vous plaît, disons-nous la vérité. Qu'est-ce que Samalou Kondé a fait? Samalou Kondé, c'est le budget à 16 milliards. Un budget chiffon. Vous avez un budget de 16 milliards, mais les administrations manquent même des papiers. Un budget de 16 milliards, les fonctionnaires ne sont pas payés. Mon cher, on doit éviter de nous narguer jusqu'à ce niveau. Ce budget de 16 milliards n'existe que dans la fiction, dans l'imaginaire. Mais sur papier comme ça, ça n'existe pas. Je sais ce dont je parle. Et si quelqu'un a des preuves, qu'il vienne nous contredire. Parce que le budget de 16 milliards devait bouger les lignes. Devait bouger les lignes. Et partout on pleure, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Maintenant, s'il y a un budget de 16 milliards, on pleure qu'il n'y a pas d'argent, pourquoi? Je pense que ce budget, c'est un faux budget. Samalou Kondé doit partir et doit être remplacé. Vraiment, le président de la République ne peut pas commettre l'erreur de faire revenir Samalou Kondé comme premier ministre. Parce que les deux mandats ou les quatre ans... Il est chef d'un regroupement politique qui a aussi un poids politique. Bon, qu'on lui donne un portefeuille, il n'y a pas de problème. On ne lui empêche pas cela. Mais revenir comme chef du gouvernement, en tout cas, moi personnellement, je m'y oppose. En quoi sa reconduction vous dérange? Ça me dérange parce qu'il a prouvé ses limites. Il n'a rien fait pendant les 3-4 ans depuis qu'il est là. Sous Matata Pogne, on a vu, quand Matata était premier ministre, on a vu la bancarisation. Ça n'existait pas. On a vu la construction de l'immeuble intelligent sous Matata Pogne. On a vu la place royale. Transco. Réhabilité. On a vu Congo Airways. Mais sous Samalou Kondé, même Congo Airways n'existe plus. Transco n'existe presque plus. Maintenant, vous allez nous dire quoi, papa? Samalou Kondé doit rester pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Samalou Kondé, vous allez rester pourquoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous voyez ce qui nous tue dans ce pays? Je pense que quand vous êtes nommé premier ministre, vous pouvez chercher quelqu'un comme Matata Pogne. Il vous sert de guide, même de conseiller dans l'ombre, mon cher. Consultant comme consultant. Il a été auprès du président. En Guinée, je crois. En Guinée. Chez Alpha. En Guinée. Exact. Voilà. Qu'on a crié. Voilà. Voilà. Mais l'orgueil dans notre pays, c'est ça ce qui nous tue. Il faut accepter, lorsqu'on ne connaît pas, approcher celui qui connaît, il va vous guider. Mon cher, moi je faisais ça. Moi je faisais ceci. Si vous jouez comme ça, vous allez aboutir au résultat comme Très ça. Très bien. Oui. Alors, l'ossature du gouvernement. Est-ce que nous devons avoir un gouvernement éléphantesque parce qu'il faut ici satisfaire les appétits de tout le monde? Doit-on avoir un gouvernement éléphantesque, sachant que ça va aussi coûter sur les trésors publics? Vous pensez que le président doit cette fois-ci siffler un peu la fin de la récréation et dire on doit avoir un gouvernement avec un nombre très réduit, question de limiter aussi les dépenses? Monsieur Hervé, merci pour la question. Je pense que le président de la République, ça c'est son dernier mandat. Et
Il a tout intérêt. Premier mandat, on a compris. Moi, je vous ai dit, j'étais dans l'opposition. Tous les premiers mandats, Nazongi. Je suis maintenant au pouvoir. Je suis maintenant de l'Union sacrée. Mais mon président, vous-même, vous l'aviez dit lors de votre discours que vous ferez tout pour corriger les erreurs du passé. L'une de ces erreurs-là, c'est de choisir des mauvaises personnes qui n'incarnent pas votre vision. À quoi bon de prendre un gouvernement de 60 personnes, 65 personnes, mais qui ne foutent presque rien. Mais il faut chercher à satisfaire tout le monde. Je pense que le président de la République peut satisfaire les appétits de tout le monde, même ailleurs, pas nécessairement dans les gouvernements. Il faut que dans ce gouvernement ici, soit un gouvernement qui va vraiment répondre aux attentes de la population. Mon cher Hervé, les gens souffrent ici dehors, je ne sais pas si vous êtes au courant. Les gens souffrent, les gens vivent une vie pénible, vous n'avez pas l'idée. Mais les membres du gouvernement sont en train de se pavaner avec des jeeps de dernière génération, avec beaucoup de milliers de dollars, d'après ce que nous apprenons. Cette fois-ci, le gouvernement. Moi, je souhaite même que ça soit, si c'est beaucoup, 30 personnes. 30 personnes. Et 30, d'ailleurs, c'est beaucoup. Il y a d'autres ministères qui ne méritent même pas d'exister. Vous prenez, par exemple, agriculture, environnement, développement durable, pêche et élevage. C'est un ministère. Mais saucissonner déjà en 5 ministères. Pourquoi ? Agriculture, pêche et élevage, environnement, développement rural. Hein? Quatre ministères là, vous les foisonnez ensemble, vous faites un ministère. Vous prenez par exemple ministère de la jeunesse, ministère des sports, hein? Ministère de quoi encore là, hein? Quelque chose qui s'apparente, culture et art, voilà. Jeunesse, sport, culture et art. Est-ce que le sport et la culture et art, c'est vraiment des choses distinctes? Vous prenez par exemple ministère social. Hein? Affaires sociales, personnes vivant avec handicap, affaires humanitaires. C'est un seul ministère, mais qu'on peut départager par les secrétariats généraux. Enseignement primaire, enseignement supérieur. Voilà. Technique, recherche scientifique. C'est un ministère. Ministère de l'enseignement supérieur, universitaire, secondaire, recherche scientifique. Ministère de l'éducation tout court. Voilà, ministère de l'éducation nationale. Maintenant, avec des branchements, on prend secrétariat général à l'enseignement primaire, à l'enseignement secondaire, disons à l'enseignement universitaire, à la recherche scientifique, et quoi encore, ainsi de suite. Un seul ministère. Mais tout ça, vous savez pourquoi nous sommes arrivés à avoir plus de 60 ministères? C'est bien évidemment pour satisfaire les appétits des uns et des autres sur les plans politiques. Moi, je pense que le président de la République, cette fois-ci, ministère des Affaires étrangères, intégration régionale. Voilà, francophonie. Hein? C'est un seul ministère. Je vous dis, on ne peut même pas en avoir 20. Si vraiment, on pouvait aller dans la logique des choses. On ne pouvait même pas en avoir 20 ministères. Très bien. Budget, finance, économie. Un seul ministère. C'est ça ce que je vois dans d'autres pays. Ministère du budget, finance et de l'économie nationale. Ministère du travail et de la fonction publique. En quoi la fonction publique et le travail ces deux ministères sont différents? On peut les mettre ensemble. Ministère de la fonction publique et du travail. C'est tout. Vous êtes ministre? Un seul ministère avec des départements peut-être. Voilà. Secrétariat général à la fonction publique, secrétariat général au travail. Exact. Et c'est tout. Mais nous dit ministère du travail, ministère de la prévoyance sociale, ministère de la fonction publique. Vraiment. C'est quoi cette histoire-là? Prenez numérique, ministère du numérique. Est-ce qu'on ne peut pas mettre le numérique avec l'enseignement? Soit avec les PTNTIC. Soit avec les PTNTIC. D'ailleurs, PTNTIC d'abord et numérique. Où est la différence? Nouvelle technologie de l'information et de la communication. Et le numérique, c'est la même chose, non? Numérique, qu'est-ce que ça apporte de surplus? Je pense, monsieur le président, vous cherchez des techniciens. Nous sommes là pour aider la République. Ministère de l'entrepreneuriat, ministère de l'emploi, travail, entrepreneuriat, vraiment, dites-moi. Travail, ministère, entrepreneuriat, ministère, prévoyance sociale, ministère, fonction publique, ministère. Tout ça, si vous allez dans la sémantique, ça signifie la même chose.
Et je vous dis, si on fait ça, on ne peut pas avoir même 20 ministres. Un gouvernement de 20 ministres. Pas même des vice-ministres. Non, non. 20 ministres, ça, c'est tout. Et les autres, là, peuvent occuper des places dans des entreprises hein, pour assouvir à leurs appétits politiques qui veulent toujours qu'ils soient aux mangeoires. Et cette fois-ci, nous insistons, monsieur le président de la République, tous ceux-là qui ont servi dans, depuis Mobutu, depuis Kabila père, Kabila fils, depuis votre premier mandat, ils seront toujours là. Que ces gens-là puissent se reposer. Il y a beaucoup de. Ce sont toujours les mêmes familles qui vont toujours surgir. Est-ce que nous. Ce sont eux-mêmes qui ont vraiment des diplômes, des extra-diplômes. Dans leur famille politique-là, il n'y a pas d'autres personnes pétries de connaissances. Moi, je pense que. On ne veut plus voir les gens comme les Mbosso, les gens comme les Bahati, les gens comme les... Dans la détection des intelligences. Mais mon frère, il y a des intelligences dans ces pays. J'ai suivi un ancien journaliste. Il s'appelle Kibambe Shintoa. Kibambe Shintoa. Vous avez suivi ces papas-là. Les monuments. Si on les met à la communication. La légende. Aussi. Mais on a quelqu'un qui maîtrise la communication. J'ai suivi quelqu'un comme Albert Moleka. L'ancien directeur du cabinet du feu Étienne Tshisekedi. C'est un cerveau, Albert Moleka. Un cerveau, je vous dis. Je prends les gens comme Docteur Mukwege. Le prix Nobel. Docteur Denis Mukwege. Vous savez, dans ces pays, mon cher, je ne sais pas si nous voyons les choses comme les autres les voient. Ça me rappelle Mukwege respecté dans tous les pays du monde entier. Dans tous les pays du monde entier. Un prix Nobel dans un pays. Mais ça vaut... Bon, Jésus l'a dit, nul n'est prophète chez nous. Regarde quelqu'un comme Mukwege. Vous le placez à la santé. Ministre, vice-premier ministre de la santé. Mais les choses peuvent changer. Prenons la défense nationale. Vous prenez tous ces grands généraux qui ont marqué leur temps. Qui sont en retraite. Ah, vous pensez que Jean-Pierre Bemba doit faire ses valises à la défense. Qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a foutu au ministère de la défense? Moi, je n'ai rien vu. À part récupérer GLM. Oui, on a vu ça. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut... Quel actif? Moi, je pense que... Bon, on peut comprendre Jean-Pierre Bemba. Ça fait plus de 10 ans qu'il n'était pas... Attendez un peu. De tous les membres du président... Il a perdu quelques fils sur le plan peut-être politique. De tous les membres du Présidium de l'Union Sacrée, ils sont au total 6. Bemba, Bahati, Kamere, Mbosso, Sama et Kabuya. Qui de ces 6 peut être promu Premier ministre? Qui de ces 6 peut être promis? Moi, je pense que personne. Pour autant que ces gens ont déjà travaillé beaucoup, mon cher. Ils ont déjà beaucoup travaillé. Ils peuvent désigner quelqu'un de leur. De leur. Comme Kabuya. J'ai suivi quelqu'un de l'UDPS. Professeur Chimimbaï. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Mais je l'ai suivi sur des médias. Professeur Chimimbaï. Vous me dites que celui-là n'est pas un cerveau? Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Allons par exemple chez Kamer. Vous connaissez Maître Alfred Maïcha. C'est un cerveau. Mais dans les oubliettes. Si on va chez Bahati Lukwebo, mais il y a des personnes pétries, des cerveaux là-bas. Mais c'est toujours lui. Tantôt son enfant. C'est toujours lui. Tantôt ses enfants. Finalement, donc nous sommes venus. C'est pourquoi moi j'ai refusé de prendre... mon adhésion dans leur parti là. Non. Il faut prendre adhésion dans des partis, des gens quand même qui, vous voyez, n'ont pas d'abord les gènes du tribalisme en eux. Et voilà pourquoi. Moi, je pense que dans les présidiums là, il y a un personne. Premier ministre dedans, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Avec honnêteté. Peut-être un président de l'Assemblée nationale, Kamere, comme le cas de... Kamere, oui. Et je pense que personne ne nous contredira pas. Kamere, nous devons les voir là-bas. Kamer s'est animé à conduire les débats. Pensez que Mbosso était en train de théâtre, que Mbosso était en train de nous faire vivre dans la législature passée. Merci beaucoup. Voilà. On va terminer cette émission. Samuel Okonde est aussi candidat à sénateur. Peut-il être un bon président du Sénat? Non. Bon président du Sénat, actuellement, je pense...
Bon, en tout cas, tout le monde sauf Samalou Kondé. C'est pas possible. Il peut être sénateur, oui. Je ne lui refuse pas ça. L'émission était... Président du Sénat, non. Non, non. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Grand merci à vous pour votre disponibilité. Bon, peut-être un mot de la fin. Je voulais toujours lancer l'appel, comme dans mes habitudes, appeler tous mes collègues de l'opposition, avec qui nous étions dans l'opposition. Vous avez quitté l'opposition, il faut laisser les autres. Les gens de l'opposition, nous devons nous joindre au président de la République pour mettre nos idées ensemble, afin de bouter dehors l'ennemi de la République. Donc, j'appelle Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Delis Essanga, docteur Denis Mukwege. Si le président de la République vous a fait appel à vous, je pense que la moindre des choses à faire pour l'intérêt supérieur de notre République, vous pouvez vous joindre au président de la République ensemble, voir comment mettre dehors, endiguer les phénomènes du M23 et rétablir la paix dans notre Merci pays. Beaucoup, C'est moi monsieur Fidel Bansou. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci de votre très sympathique et réelle attention. Merci à toute l'équipe technique. Restez branchés sur les antennes de Perfect Télévision. Au revoir. Bonne suite des programmes.